c'est sur invitation, pas n'importe qui qui allait sur invitation. Il y a dans ça les East Egg Wall. Quand les petits mouns pral prennent un petit bail dans les liquides, bon, je. Là, le prince, alors, chercher les yeux, cacher les yeux, on sait de côté, Timon, il prend les yeux, pour qui est-ce qu'a pu ramasser plus de. Donc, son petit bail qui vient, parent, toujours avec eux, on connaît. Donc, c'est un bel bail dans la maison, je dis, donc, je dis, il est égal. Et puis, tout, c'est même période, ça, tout, gain, et nous connaissons que, comme, université, tout, ils ont en vacances, tout, gain, l'autre activité, tout, basketball. Samedi, samedi, m'gade, c'est des teams de basketball. Monsieur qui prochain professionnel dans NBA, yo, monsieur, n'est-ce joue ballon. N'est-ce pas, équipe qui est éliminée, en fait, c'est pas faute équipe là, je vais faire ça, j'étais capable. Mais quand même, nous, avons ça relie Final Four, ou bien encore, ligne droite là, quatre dernières équipes qui étaient, qui remportaient conférence, sur et équipe ça aussi, eux-mêmes, qui, normalement, pourraient participer dans la semi-finale. Et, c'est pratiquement samedi, et puis, lundi, c'est à la finale qui va déterminer champion national universitaire catégorie masculine. Comme mesdames et tout, la privée dans la même époque, là, tout parle pour mesdames et tout, catégorie féminine. Bon. En allant dans le grand programme de mini-actualité, en Israël, nous connaissons que manifestation déroulée en Israël, justement, pour, alors, là-dedans, il y a une famille otage qui manifestait pour demander démission Premier ministre et alors Premier ministre à tout le gouvernement Benjamin Netanyahu nous apprend qu'il subit une opération tout et hier tout et puis t'es gagné tout jeudi à militaire qui était occupé en l'hôpital à chaque fois et bien l'hôpital militaire il a abandonné l'hôpital là mais après plusieurs attaques après parce que c'est là que monsieur est militant à Hamasio et là il a pris refuge. Dans New York, il y a une manifestation, tout, dans l'église, tout, pendant l'église, mais ça a célébré, dans l'occasion de fête de Pâques, là, eh bien, et un groupe pour le monde qui s'assemble en faveur Palestine, qui vient tout déranger, déranger l'église, là, manifester, dans, protester, etc. Donc, nous avons une nouvelle, ça va arriver à porter une nouvelle, ça pour nous, tout, pour nous connaître, et puis, gentil Auguste va parler un petit peu de manifestation qui fait en Israël, là, tout contre le premier ministre Benjamin Netanyahu. Et nous pour aller dans le pays d'Haïti et monsieur Katsama Ozono pour que ça va que longtemps monsieur était kidnappé un youtubeur on est que monsieur son est cap dans les réseaux sociaux sur YouTube surtout et bien monsieur était allé au cap haïtien monsieur était en fixation son démarcheur on est cap planifier cap guider et faire rendez-vous pour guider tout parce que l'on revient dans le pays ou par contre personne n'a besoin de monde qui a un pays à pour et marcher avec ou pour aider au fond c'est le bagage et bien monsieur Katsama Ozo t'es kidnappé monsieur et bien il a libéré tous les deux ni haïtien ni américain qui était prenant naissance monsieur Eli Pierre monsieur prenant naissance en Atlanta donc monsieur ça qui passe monsieur t'es débarqué monsieur à l'OCAP monsieur t'as balancé ouais c'était à faire faire aussi des bails sur YouTube et bien monsieur dans la déclaration monsieur fait ban nous et avec Yves Manuel et bien monsieur dit que et raison voyage là c'est justement il t'a pas le monde. Bon, il était mal exposé, ou bien encore fait, mais on connaît plus bien, et leader groupe, et vivant ensemble, non, on a parlé de Negameo, et Jimmy Cherizier, alias Barbecue. Alors, on a gardé, mais pendant que monsieur a rentré, monsieur a quitté au Cap Haïtien, monsieur a rentré par le monsieur fait route qui est tout à fait normal, que si ou moun ki on guide c'est ou ça pour ta faire monsieur gagne rendez-vous avec barbecue pour te justement une fois interview avec barbecue pour te faire connaître programme monsieur projet etc. Et bien là monsieur qui est arrivé dans bas plateau central là en bas mon cabrit et bien monsieur 400 maroze mettez monsieur monsieur mais il y a là monsieur Lacayo et bien monsieur fait un bonjour là monsieur fait un bon coup de temps là non mais monsieur oh, et bon il paye un 50 000 $ pour libération hein. Ça c'est comme Branson. Et puis, plus comme monsieur était souligné tout que monsieur reprend tout, et puis il semblait que même pas appareil de ça. Mais dans la déclaration, monsieur fait au capable de déclaration, c'est une déclaration qui fait sous pression, tout parce que caméra pas te montrer l'autre monde qui est en face, monsieur était chit ensemble avec un monde qui identifiait comme l'homme sans jour, ensemble avec journaliste là, ensemble avec accompagnateur à tout. Eh bien, bon, monsieur en bien, non, mais monsieur a crasé en bien, monsieur dit, bon, il était bien, il mettait le dormi sous cabane, il mettait le dormi dans la chambre bien climatisée, etc. On t'a même pas là, monsieur, encore pour monsieur, parce que le sang, monsieur, pape gain dans la salle là, pape gain, ni nek qui barbecue, ou bien ni nek qui avec zam en face li.
ou bien encore le match sur le pas plateau. Donc monsieur capable peut-être de ça ban nous vérité qui s'est passé exactement qui vient bien que monsieur accusé il y a un groupe policier l'Iran responsable qui était sans hésitant nos pièges pour lui etc. Et n'a venu vérifier pour nous connaître qui groupe policier ça etc. Parce que dans un an il y a un BSAP des policiers nationales là tout donc on t'a mais qu'on que monsieur pas identifié qui est sans duo ça sont interview monsieur Tebaï Emmanuel monsieur des interview qui fait après quand il dit des choses mais parce que tous les deux ont plus bagage que tu es capable de dire donc on a fait des marches pour nous être capable et interviewer justement que tu as raconté nous plus bagage que ça passe exactement qui genre ambiance sans côté TIA qui ça même si on pas reconnaître côté TIA c'est vrai mais quand même il y a un peu de bagage que nous bon monsieur Jean Libération $50,000 plus l'autre corps encore que monsieur dit il perdu donc c'est là nous est donc gros merci pour Yves Manuel pour interview ça. Alors, la Maison Blanche, c'est une déclaration de la Maison Blanche fait pour la première fois, qui est Karine Jean-Pierre, qui parlait et qui dit que la Maison Blanche, d'accord, pour le bail, police nationale, là, équipement avec munitions nécessaires pour aider le combat. Monsieur Gang Amé Kap Goumen, qui connaît même les formes en coalition. Et donc ça fait partie on annonce que le président Biden a fait semaine passée on a fait de $10 millions donc comme ça $10 millions ça c'est pas l'argent pas une police nationale là non mais c'est équipement plutôt bah gilet pare-balles etc casse tout bah que besoin pour tenir le combat pour capable combattre avec monsieur groupe 400 groupe armé. Alors c'est dans une situation ça nous est. Alors on était parlé nous de groupe là parce que sorti au cap il est plus bon pour passer par plateau central parce que il y a moins de groupes armés pour rencontrer que si tu as passé par en bas ça dit tu as passé par Gonaïve pour entrer en bas et bas à Tibonite pour entrer pour prendre ce trop groupe armé le risque est plus élevé que côté que monsieur youtubeur était passé à, mais malheureusement et bah là pas marché monsieur pas fait interview à tout avec barbecue et après ça monsieur a dit mais il t'a semblé que monsieur qui a déjà quitté Haïti déjà et pour lui retourner et aux États-Unis et puis grand nouvelle pour nous semaine ça on commence en mois avril là même il y a conseil et présidentiel là qui t'a dû installer t'a dû précisément installer et nommer un président d'abord pour diriger conseil là il y a 9 membres là-dedans il y a 2 membres qui pas droit de vote il y a 7 membres qui ont droit de vote et puis présentons documento on s'attarde une feuille de route et puis après ça il y a gagné pour faire un et désigner un premier ministre provisoire laisse ça premier ministre qui là pour le gouvernement démissionnaire pas là encore laisse ça tout le monde a parlé. Et conseil ça d'après un document qui sorti il t'a semblé que yo bay tête yo en 18 à 24 mois pour faire tout ça que gain pour faire et finalement pour même et organiser l'élection pour gagner un nouveau président et il dit que et mandat yo pas renouvelable. Mandat yo pas renouvelable ça dit que 24 mois c'est maximum que a fait donc si yo pas fait tout ça pour faire mais yo caduc mais yo tombé donc nous retournons à la case de départ. Donc, nous démarrons à zéro encore. Donc, tout le monde espère que tant ça que Baïtet Yoa a suffi. Et puis, concernant, il dit, il a touché l'argent pour le travail qu'il a fait. À partir du moment que le prétendant est installé, eh bien, l'État doué. Et puis, pas qu'à faire premier dame, premier monsieur, etc. Et ou bien premier petit garçon, etc. Et mon chapap garçon à fond l'État, ou bien et trésor public, etc. Et c'est une question de sécurité, question d'hébergement. Est-ce que mon chapap continue avec la carrière, excepté préoccupé par le bon président? Et c'est vrai, si je n'ai pas un national, est-ce que par le bon président, ou bien encore, c'est tout le monde qui peut héberger sous compte l'État, ou bien encore pour y avoir un côté pour y dormir, ou bien est-ce que par les placards encore? Donc c'est ça qu'a fait une autre tractation qu'a fait Kounia là pour ce qu'a fait président parce qu'il y a plusieurs partis qui a tiré contre la suite pour si yo ta une présidence et conseil ça puis membre conseil tout yo pas capable candidat et à un poste électif les va gagner élection
sa parti qui veut a capable de désigner président candidat pour présidence, pour poste sénateur, député, etc. Mais il y a même qui m'amène et même il n'y a pas là-dedans. Donc, il y a des actes que vous acceptez pour faire. Et puis, dans l'autre grand point, qui est censé dominer l'actualité, pour me dire ce qu'on a besoin. Et puis, bon, mes amis, l'IA et NIO, t'as quoi, trois l'IA et NIO qui, justement, desservent Haïti, parmi l'autre l'IA, il y a American Airlines, il y a Spirit Airlines, et puis il y a JetBlue, et bien, ils ont annoncé, ils ont pourquoi pour prendre vol, ils ont, dans la capitale ici, dans Port-au-Prince. Donc, c'est, en plus, nous disons coup de Dieu pour PIA, parce que justement, il y a un problème PIA de terme, que voilà, le monde qui a besoin d'agir, le monde qui bloque en Haïti, le monde qui bloque tout, et aux États-Unis, ou bien l'autre côté, qui n'a pas rentré la caillou, mais, et communauté internationale, parce qu'il y a la France, le Canada, les États-Unis, et bien, même, ça va faire, quand il y a un pays vacu, citoyen, soutien Haïti pour mettre au plus en sécurité de l'autre côté, en attendant de arriver dans la destination finale. Donc, c'est tout un problème qui gagne qu'on y a là. Et alors, les autorités aéroportuaires et tout, à l'une des conditions que la compagnie d'assurance qui a été posée, ils ont demandé, on sait, le petit caïm, on a bâti dans le coin. Mais depuis longtemps, les responsables qui ont été bâti, mais les responsables qui n'ont pas jamais fait pour te couper mon salaire, eh bien, ils ont demandé le petit caïm qui a bâti tout pour l'aéroport, ils ont demandé pour tout le petit caïm qui a été écrasé. Parce que ça semblait que c'est là que les nègres avaient à le cacher et pour même lancer attaque sur l'aéroport que besoin pour contrôler ou bien même tirer même sur les liens. Donc, les compagnies se disent qu'ils ne peuvent pas risquer rien, ils ne peuvent pas risquer pas ça, ils ne peuvent pas risquer compagnie et liens aériens. Donc, même tout autant que ça pas résoudre, ils ne peuvent pas bailler feu vert pour que les liens aériens reprennent. Donc, son bail qui est là et qui est là, qui n'est pas pris aujourd'hui, il y a des gens qui disent, dans 15 jours, capable d'avoir une réévaluation qui fait la situation. Il y a des gens qui disent, peut-être, c'est capable de m'admettre que l'IAN ça réévalue la situation avant que les compagnies d'assurance soient d'accord pour que Volio reprenne encore. Donc c'est là. Donc, les gens qui bloquent, alors, il dit, il y a des gens qui bloquent là, les gens qui étaient bons dans le programme Biden, qui étaient pour aller aux États-Unis, on m'a parlé d'un groupe bien particulier, ben, les gens qui bloquent, alors, il y a des gens qui disent que, ils ont pas fait une demande pour si l'administration tabac a une prolongation. Alors, c'est 3 mois, pour quitter le pays après, au final, pour vous. Donc, 3 mois, ça n'a pas suffi, ou quand même, l'autre, mais il y a un truc qui est, ouais, si, ou capable de passer un public de week-end, bien que, d'après ça, il y a un collègue, nous, sous frontière, et, dans la zone Waname, dis-nous, et, bon, qui est passeport haïtien, très difficile pour rentrer sur le territoire dominicain. Très difficile. Si on passe pour étranger dans mon américain ou bien l'autre, il est plus facile pour rentrer que si on passe pour haïtien. Donc, c'est ça, un collègue, nous, il fait nous connaître, mais il dit, il y a une tractation qu'a fait, etc. Mais en attendant le gouvernement et le président Luis Abinader, dit même, il campe ferme sous position concernant restrictions limitées sur Haïti ou encore sanctions, il prend contre haïtien, etc. Pour pas venir la Cali, d'aller déjà dit dans la déclaration qu'elle fait récemment que lui-même n'est pas venu construire aucun camp réfugié à la Cali, malgré demande que quelques pays dans la communauté internationale ont fait, où il y a pression, ils mettent sur les tours, et puis tout, les Nations Unies ont demandé pour ça. Mais nous n'avons pas de nouvelles, tout soit fait pour aérien que tu as fait, surtout pour être capable de produire humanitaire et soutien au public dominicain pour Haïti, mais que le gouvernement dominicain a fait 2 aéroports que capable de faire. D'abord, l'aéroport Isabella, que l'aéroport Joaquim Balaguer, et un aéroport qui est dans Dajabon, qui est un petit peu au sud de la République dominicaine, qui est tout près de la frontière Haïti partagée avec la République dominicaine. Mais on a dit que c'est soldats dominicains qui peuvent l'escorter et marchandises ça, ou bien encore assistance humanitaire, assistance alimentaire là, pour porter l'aller en Haïti, mais au moins pour remettre les frontières, agents ou bien force de l'ordre haïtien, qui même qui peut accompagner eux. Il y a une inquiétude tout pour pillage parfait pendant qu'on voit ça après aller. Alors, nous demandons, on m'a des civils haïtiens ou dominicains, en disant que, bon, les dominicains, il n'y a pas un problème, ça. Problème, ça, pour lui-même, il n'y a pas question. Problème qui est très minime pour que les dominicains, camper, convoi pour y avoir les marchandises, voir les manger là, etc. Mais il dit que bon côté Dieu et Haïti, il est très possible que ça soit capable d'arriver. Voilà. Il y a une autre nouvelle encore pour nous, pour dire à tout le monde qui a mis nos capés
Et alors, monsieur le policier a annoncé qu'il a perdu deux membres, que la population de là et assassiné deux agents, en fait, pas un agent de sécurité, un policier, avec un autre civil qui est assemblé venir acheter munitions pour gang armé, et c'est que sa accusation, ça sous deux. Donc, son nouvelle que n'a pas cherché fouiller bien pour nous connaître, mais au moins, en sens, il est effectivement fait, et monde ça a vraiment, effectivement, monde y a tout vraiment, et il est même, pas seulement pour contenter au bout et tuer, mais il est même boulé, ou même, oui, mettre des fissures. Donc, son nouvelle qui vraiment est montré qu'il y a une situation politique pays d'Haïti à lier jeudi à, et puis, bon. Nous-mêmes, immigrants, amis immigrants, on a parlé d'immigration, gain, effort sous frontière toujours à fait, on continue à présenter sous frontière toujours, nous pouvons qu'on sort, caravane qui t'a quitté, Tchapatou là, depuis, ça arrive plus, ça arrive pas environ une semaine. Eh bien, nous, pour qu'on soit mon savoir, est-ce que le caravane dissout toujours, bien sûr, le cas est en route, mais nous connaissons que il y a des gens qui arrivent sur la frontière, qui viennent chercher le demander d'asile, et l'autorité américaine a dit qu'il y a des moyens pour venir demander d'asile, mais la frontière est techniquement fermée, et qu'il n'y a pas d'asile comme ça, il faut qu'on prenne rendez-vous pour venir, etc. Donc, qu'on voit ça, il est toujours sur route. Et, entre-temps, l'autorité d'immigration, jeudi 1er avril, là même, eh bien, il y a des mesures, ou bien encore, augmentation des frais service immigration augmentés. Et, ça, il y a longtemps de parler, non, de ça. Même si tu dis que la prête en application, je dis, eh bien, c'est comme ça qu'il est en application, je dis, pour frais immigration. Bagan, puis l'information que je suis capable de nous sur ça me capable de dire, non, légèrement, et ça m'était quoi qui est plus important que nous, et besoin qu'on ait, par exemple, par exemple, pour le monde qui besoin naturalisé américain, eh bien, frais immigration, il était $400, eh bien, il était venu 640, mais je veux dire, sorti dans 640 pour le venir monter $740. Donc, sous besoin naturalisé américain, eh bien, je veux dire, faut râler comme ça, $740 américains, ça veut dire 11% augmentation que les services immigration mettaient pour frais qu'on doit payer pour ça. Et puis, par exemple, et si le monde qui vit dans le pays, qui là, et quelle que soit la raison, ou t'es un visa touristique, ou bien t'es encore un statut réfugié, ou t'es un TPS, ou bien, et ou bien marié, etc., bien, on a besoin d'ajuster statut. Ajuster statut, c'est sa formule, les formes 485 ans, I-485 ans, qu'on a besoin d'ajuster statut, eh bien, et ce frère, il sortit dans $1 140, $1 140 qu'on peut payer, pour arriver à $1 400, donc c'est une augmentation de 26% par rapport à ça, mon décompte avant. Cependant, sur fabrication en ligne, une réduction qui fait ce coup là. Parce que y a moins de bail qui fait ça, ou bah, autorité, moins de problèmes, moins de bail pour faire, analyser le dossier. Sauf fait sous papier, les pichets. Mais sous grâce à un ordinateur capable de faire application en ligne, sur Internet, eh bien, d'y coûter moins cher. Donc, mon bon prix, ma barre là, c'est le prix qu'on va payer sur ces papiers, c'est sous papier qu'on fait application. Et puis, pour mon cas, par exemple, famille, mari qui a fait demande pour madame, yo petite, yo, bien madame qui a fait demande pour mari avec petite, yo, ça n'est les formes I-130 là, et bien, lui-même, il sortit dans $535, $535, et bien, pour livrer à $820. Et ça que je dis à un petit tour en Haïti qui mineur, qui a moins de 21 ans en fabrication pour lui, mais son mari ou une madame en fabrication pour lui, eh bien, il faut assurer qu'on gagne $820. Ça c'est fait pour déraper. Mais sous fabrication en ligne, encore, il coûte moins que ça. Et pour nous-mêmes qui besoin, parfois, nous là, nous venons là, nous t'es venus, et puis, bon, ce que sur Haïti, puis sur gagné, ou t'es gagné l'autre application, et puis, pour quelque soit raison, t'es ouvert à l'an Haïti. Peut-être ou qu'a gagné un calamor, ou qu'a gagné, bon. Une raison qu'il faut ouvrir à l'an Haïti. Maintenant, il faut qu'on autorisation pour voyager. Rappelez que autorisation pour voyager n'a pas une garantie de retour. Ou capable de voyager n'importe où, ou capable de quitter les États-Unis n'importe quelle idée au jour. Maintenant, on est capable pas à retourner. Et même là que le service immigration a permis pour retourner, hein, il n'y a pas une garantie parce que le dernier monde qui prend la bonne autorisation, ça permet de rentrer,
Mais son membre, le CBP, son garde frontalière qui ou à propos côté dans l'immigration, c'est lui-même qui va décider si ou non à propos côté. Même si tu es payé pour te yon bon permis pour retourner, c'est bon garanti. Là, il y a tout ça là-dedans. Eh bien, comme ça, que la réforme I-121, eh bien, I-121, t'es coûté $575 pour te gagner un permis ça, pour te retourner aux États-Unis, eh bien, je dis à la couteau, $630. Ça, c'est quelque chose que moi-même, moi prends en liste, là. Donc, sous mes yeux, que plus de formation, sous quantité d'argent que le coûte, je dis à l'écouter, sous augmentation, parce que je dis à toute forme, une nette augmentée, je dis à, augmenter, eh bien, au cas où aller sur le site USCIS, là, et puis, au pral, on rubrique les formes, et pour approuver forme et pour approuver on liste et formulaire et pour regarder combien comme les couteaux. Il y a deux prix là-dedans, mais ton prix si c'est sous papier on fait application ou bien est-ce que c'est en ligne qu'on fait application. En ligne écoutez, on c'est une réduction sur lui, c'est que sous fait sous papier des gon l'autre prix pour payer sur lui. On prix des plus cher que sous fait sous papier ou les qu'on fait en ligne. Donc sous garde c'est en ligne faire en ligne. Et puis bon c'est ça que pour nous dire. Nous avons l'autre bain à Paris, nous avons fait nous Jacqueline en vacances. Donc, pendant le parler, je suis pour lui. Et moi, je suis pour continuer les vacances toujours. Bon vacances de Pâques quand même. Et donc, nous avons fait Wepita pour le programme radio sur télévision. Et côté, par exemple, et Sandra, le maire, pour parler, nous surtout de Pont Baltimore, là, pont qui tombait dans Port Baltimore, là. Et bateau commercial, sur le cargo, ça a frappé un pylône et puis pour en tomber dans de l'eau. Ben, il faut pour, depuis samedi, là, il faut pour retirer débris dans bateau, oui, débris qui dans de l'eau pour retirer. Donc, course contre la montre pour retirer des bris, ça, pour qu'on l'ouvrir, pour là, parce que c'est son port économiquement, pour tant pis l'argent dans la ville là. Pas seulement pour la ville là, mais pour être à Maryland tout. Mais autorité, dans Maryland tout, que ce soit ses gouverneurs, M. West, mais lui demander à ce que le Congrès, parce que le président Joe Biden dit, gouvernement a rebâti, reconstruit encore, et pour ça. Donc, lui demander pour le Congrès lui-même, voter l'argent, pour qu'il soit capable de commencer pour ça. Mais, vous entrez en $600, en $600 millions. 60 millions de dollars, non 60 millions de dollars, bah, pour être qu'il y ait toujours, peut-être qu'à commencer le travail, commencer à nettoyer, retirer, bah, pour que, pas parce que c'est une autre course là, c'est relouvrir pour là, pour que bateau commercial au travail, bateau obligé d'aller l'autre côté, puis à le déposer, marchandises que vous portez, ça qui compte encore pour le coûter plus, pour consommateur, c'est tout. Donc, et c'est, n'a pas qu'il parler de efforts à eux qu'a fait, et appel qu'a lancé tout, et puis nous va parler tout. La situation de crise dans le pays d'Haïti, comment ça y est, et puis, l'État semble que, et nouveau ambassadeur états-unien que le Sénat a approuvé récemment, et bien, l'État semble, nouveau ambassadeur, l'État en Haïti, déjà, au moment qui, côté guerre, une grosse crise, eh bien, nous, ambassadeur, il y a du pain sur la planche. Monsieur qui travaille pour le faire là, dans le pays, il y a élection, il y a un groupe et conseil présidentiel qui vous formez, gang qui a bataille de l'autre côté, la police qui a chassé gang, donc, nous, ambassadeur américain, il y a un pile travail, un pile bail pour faire de l'État semblé que, l'État semblé que l'il y en Haïti. N'a pas été un correspondant qui est cabaré pour confirmer. Pour nous, puis position classe présidentielle a tout divisé toujours sous le conseil présidentiel là. Des gens qui d'accord avec ça qu'il a, 9 membres là, mais il y a l'autre secteur qui proposait à ce qu'il y allait dans la cour cassation. Il y a des avocats même qui viennent et qui disent non, pas une provision dans la constitution pour conseil ça qu'il a, mais une provision qui est dans la cour cassation pour aller pour un membre pour venir diriger la transition. Donc, ça dépend quand on campe et puis pour qui on s'appelle. Et puis, voilà. C'est ça, mais pour Tibat Boussard, que nous avons passé une bonne fête de Pâques. Il y a un pape là qui était dans l'homélie, qui a fait une occasion. Et résurrection, bien sûr, résurrection, bien, dans la fête de Pâques là, qui m'a dit la paix, qui m'a dit pour que, bataille qui gagne encore, conflit qui gagne, que ce soit Ukraine là aussi, que ce soit c'est Israël, Hamas, et même situation dans le pays d'Haïti à tout, et bien demander pour que ça suspende, parce que quoi que
population mondiale a souffert trop de conflits armés ça qui gagne. Donc voilà. Nous allons passer une bonne semaine et pas quitter mon prénom dans poisson d'avril. Donc, passons une bonne semaine avec, en compagnie de l'Amérique, visitez toutes les plateformes, nous, parce qu'il y a plus de nouvelles que nous, nouvelles que nous pas bas ou, qu'on pas ouais, qu'on pas ou bien nous pas carré, transmettre, soit, parce que, à faute de temps, mais si vous visitez les plateformes, vous avez toujours gain et nouvelles, ça, yo. Vous pouvez même visiter, par exemple, au cas une interview que Emmanuel fait avec, et YouTube, ça, YouTube, M. Pierre, et avec, l'autre haïtien qui t'accompagne dans tout, qui a été, n'a fait d'autres démarches encore pour qu'on ait encore l'autre grand point qui est censé appeler dominer l'actualité. N'a encore plus tard, quatre tapants, Jacqueline, bonnes vacances côtoyées et tous les spectateurs, bonne semaine en compagnie de la Voix d'Amérique.